Bonjour à tous, c'est CB Math et bienvenue pour un nouveau Let's Math. Let's Math numéro 56. Et dans cet épisode, nous allons résoudre la question numéro 23 du concours Kangourou sujet S. Allez, c'est parti, je laisse Virginie dire l'énoncé du problème. Combien existe-t-il de nombres réels x, tels que x au carré moins 7x plus 11 puissance x au carré moins 3x plus 2 égale à 1 A, 2. B, 3. C, 4. D, 5. E, 6. Donc ici, on doit résoudre une équation avec une puissance. Donc, A puissance B est égal à 1. Donc, quand est-ce que A puissance B est égal à 1? Enfin, quelles sont les valeurs possibles de A et B pour que A puissance B est égal à 1? Alors, il y a trois possibilités. Donc, première possibilité, on peut avoir A égal à 1 et B est égal à n'importe quel nombre. Donc, B appartient à R. C'est-à-dire que 1 puissance b est toujours égal à 1. On peut aussi avoir b est égal à 0, mais là il faut faire attention que a soit différent de 0. On sait qu'un nombre exposant 0, puissance 0, c'est toujours égal à 1. Sauf dans le cas où a est égal à 0. Donc a puissance 0 est égal à 1 pour tout a différent de 0. Pour tout a différent de 0. Et bien entendu, on peut avoir A égale à moins 1, A égale à moins 1, et B étant un nombre pair. B étant un nombre pair. Donc, moins 1 puissance 2K est égal à 1. Donc, il faut traiter les 3K. Donc, il faut résoudre ici, dans ce premier cas, nous allons résoudre x carré moins 7x plus 11 est égal à 1. Deuxième cas, x carré moins 3x plus 2 égale à 0. Et on vérifiera que a est différent de 0 suivant les valeurs de x qu'on va trouver. Et on va résoudre aussi x carré moins 7x plus 11 égale à moins 1. Et voir si x carré moins 3x plus 2 est un nombre pair, donc est un entier divisible par 2, suivant les valeurs de x. Donc premier cas, donc a égale à 1, b appartenant à R, donc 1 puissance b est égal à 1. Donc a c'est égal à x au carré moins 7x plus 11. Et b c'est égal à x au carré moins 3x plus 2. Donc a égale à 1, donc x carré moins 7x plus 11 égale à 1. X carré moins 7x plus 10 égale à 0. Donc ici on peut factoriser très facilement ce polynôme. X moins 5, x moins 2 égale à 0. Donc les deux racines, c'est x1 égale à 5, x2 égale à 2. Donc on a déjà deux solutions pour l'équation x carré moins 7x plus 11 puissance x carré moins 3x plus 2 égale à 1. Deuxième possibilité, a différent de 0 et b égale à 0. Donc on a a puissance 0 égale à 1 pour tout a différent de 0. Donc c'est-à-dire x carré moins 3x plus 2 égale à 0. Bon là c'est très simple à factoriser, x moins 2 et x moins 1 égale à 0. X égale à 2, x1 égale à 2, x2 égale à 1. Alors on vérifie que a différent de 0, donc a c'est x carré moins 7x plus 11. Donc pour x1 on a 4 moins 14, donc 4 moins 14, moins 10, plus 11, 1.
Donc ça, c'est bon. Et pour x2 est égal à 1, 1 au carré, 1, moins 7, moins 6, 11 moins 6, 5. Donc cette solution peut être retenue. Donc on a trois solutions. X est égal à 5, X est égal à 2, X est égal à 1. Maintenant, troisième cas, a égal à moins 1, b appartenant à 2n. Donc on a moins 1 puissance 2k est égal à 1. Donc x au carré moins 7x plus 11 égale à moins 1. Donc, x au carré moins 7x plus 12 égale à 0. Donc ici on peut factoriser le polynôme en x moins 3 fois x moins 4 égale à 0. 3 moins 3 fois moins 4, 12, et moins 3 plus moins 4 égale à moins 7. Donc deux autres solutions. x1 est égal à 3, x2 est égal à 4. On vérifie que ces deux solutions conviennent. Donc, on vérifie que b x carré moins 3x plus 2 est un nombre pair pour x est égal à 3 et x est égal à 4. Donc x égale à 3, 9 moins 3 fois 3, 9 plus 2, donc ça fait 2. Et ici, 16 moins 12 plus 2, ce qui nous fait 4 plus 2, 6. Donc 2 et 6 sont des nombres impairs, donc les deux solutions, 3 et 4, conviennent. Donc, résumé, on a trouvé comme solution x1, x est égal à 5, convient, x2 est égal à 2, convient, x égale à 1, convient, x égale à 3, convient, x est égal à 4, convient. Donc, les solutions sont 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, la réponse est la réponse D. Bien voilà, la résolution du problème est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie du prochain épisode, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CVMath. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.